Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh, Ramadan Mubarak Karim. Changement de cuisine, changement de décor et d'ambiance, bienvenue dans notre série spéciale Ramadan. Cette semaine, une recette présentée en darija et en français. Aujourd'hui, nous vous présentons la recette de msemen. Ces crêpes feuilletées seront présentes sur la majorité des tables du Maghreb durant ce mois de Ramadan. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin de 1 kg de farine, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure sèche instantanée, un petit bol contenant de l'huile ou du beurre fondu, enfin 66 cl d'eau chaude, plus ou moins en fonction de l'absorption de votre farine. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'information ci-dessous. Alors, concernant l'huile, nous avons mis moitié huile d'olive et moitié huile neutre. Après, vous pouvez mettre du beurre fondu si vous préférez. Donc aujourd'hui, nous sommes invités chez cette personne qui était venue l'année dernière pour nous faire des spécialités spéciales Ramadan. Donc là, elle a tamisé 1 kg de farine, elle a ajouté une cuillère à café de levure sèche instantanée, une cuillère à café de sel. Et là, elle va commencer à mélanger ses ingrédients avec l'eau chaude. Donc l'eau chaude, il y en avait 70 centilitres. Donc là, on commence à mélanger en versant l'eau petit à petit. Et on commence à pétrir la pâte à la main. Alors si vous préférez faire la pâte au robot, c'est tout à fait possible. Donc ce qu'il faut savoir, si vous le faites à la main, il faut compter environ 10 minutes de pétrissage à la main. Donc au début, la pâte est collante, comme vous pouvez le constater. Mais à force de pétrir, vous allez obtenir une pâte souple et qui ne colle plus. Donc là, la pâte, on va la mettre sur la table, sur le plan de travail. Et on va la pétrir pendant une dizaine de minutes en ajoutant de l'eau si besoin, petit à petit. Donc nous vous avons conseillé de mettre 70 centilitres d'eau chaude. Il faudra adapter cette quantité d'eau en fonction de votre farine. Certaines farines absorbent plus d'eau et d'autres moins. Donc c'est pour ça que vous voyez, là elle commence à devenir souple. Vous voyez ? Donc ne vous inquiétez pas, il suffit vraiment de la pétrir à la main comme ceci, en effectuant des va-et-vient. Et vous allez voir, vous allez entendre des petits sons. La pâte va commencer à former des petites bulles qui vont craquer. Et comme je le disais au début, si vous préférez la faire au robot, ça sera plus simple et plus rapide. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, la pâte commence à devenir de plus en plus souple et de plus en plus agréable. Voilà, le secret de ces crêpes feuilletées, c'est vraiment le pétrissage. Donc là, on rajoute encore un petit peu d'eau. On travaille bien la pâte, vous voyez. Alors cette façon de faire, elle a été adaptée pour les débutants. Et il n'y a pas de temps de pause. Donc c'est une recette vraiment facile et à la portée de tous. Alors pour cette quantité de pâte, on a pu réaliser une quarantaine de msemen ou de crêpes feuilletées. Après, bien entendu, c'est en fonction de la taille de vos crêpes. Donc vous en aurez plus ou moins en fonction de la taille. Donc là, la pâte, vous voyez, elle est très très belle. Là, on arrive au bout du pétrissage. Vous voyez, elle est vraiment souple.
Là, vous entendez pas les bruits, mais vous on l'entend faire des petits bruits. Voilà. Donc là, on va badigeonner nos mains avec de l'huile, ainsi que la pâte, juste le dessus. Et ensuite, on va façonner, vous voyez, des petites boules comme ceci, qu'on va passer sur l'huile et qu'on va poser sur le plan de travail. Vous voyez ? Voilà, on façonne des petites boules, on les passe sur l'huile et on les dépose. Et donc, ce que vous devez faire vraiment attention, c'est de vous rappeler où vous avez posé la première et la deuxième et la troisième, ainsi de suite. Puisque ensuite, quand vous allez commencer à façonner les crêpes, on va commencer par la première boule qu'on a déposée. Voilà, donc là, on va faire ce travail jusqu'à épuisement de la pâte. Donc vous voyez, c'est des petites boules, pas très grosses. Ensuite, vous pouvez les faire plus grosses. Voilà, on a façonné toutes les petites boules. Donc là, il y en a une quarantaine de la même taille. On en a fait une un peu plus grosse pour vous montrer que si vous le souhaitez, vous pouvez façonner une boule un peu plus grosse de cette taille. Nous préférons des mcmen d'une taille, on va dire, moyenne, plus petite. Alors, maintenant, on va commencer à façonner les petites crêpes. On va vous montrer comment on fait. Alors, on prend la première boule. On va huiler le plan de travail et on va commencer à abaisser la pâte à la main, comme ceci. Vous voyez, elle est très souple. Vous le faites à la main. Donc l'objectif, c'est d'obtenir quelque chose de très très fin, le plus fin possible. Alors vous allez voir qu'elle se déchire, mais ce n'est vraiment pas grave. Parce que de toute façon, c'est la première crêpe. Vous voyez, l'essentiel c'est de faire un cercle le plus grand possible, le plus fin possible. L'idéal, c'est de pouvoir voir la table tellement... Voilà, plus fin ça sera et, mieux, et plus ce sera feuilleté. Ensuite, on va rabattre les deux extrémités comme ceci et les deux autres comme cela. L'objectif est de former un petit carré. Voilà. On fait la même chose avec la deuxième boule. Vous voyez, avec l'huile d'olive mélangée à de l'huile neutre, on en met sur le plan de travail et on étale à la main la pâte le plus finement possible. Ça sera fin et mieux ce sera. Vous obtiendrez une crêpe beaucoup plus feuilletée. Vous voyez, celle-là, elle n'a pas craqué. Parce que l'autre, en fait, c'était la première. C'est toujours comme ça, la première, généralement. Voilà, on fait le plus fin possible avec les doigts. On met un petit peu d'huile. Et ensuite, on vient façonner notre rectangle comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on laisse reposer la deuxième. Ainsi de suite, on fait la même chose avec la troisième. Et là, en fait, pendant ce temps, on les laisse reposer. Hein. Et puis, à la cuisson, on va commencer par les premières qu'on a façonnées. Donc, même principe. Donc, on voulait vous en montrer trois. Hein. Même principe, on étale la pâte le plus finement possible. Avec ce mouvement, vous voyez, juste avec les doigts, on retourne et on étale, on rajoute un peu d'huile si besoin. Et lorsqu'on commence à voir la table à travers la pâte, c'est qu'elle est suffisamment fine. Et là, on va pouvoir rabattre les bords pour former un espèce de carré ou de rectangle. Voilà. Et on va laisser reposer la troisième. Donc on va effectuer ce travail pour l'ensemble des boules. Voilà, vous voyez, là on a terminé. Donc on l'a fait pour une quarantaine, puisqu'on en avait fait 40. Je vous conseille, si c'est la première fois que vous testez cette recette, je vous conseille de diviser les quantités par deux. Vous en aurez une vingtaine. Et je trouve que c'est pas mal pour commencer, de commencer par 20. 40... Si vous êtes débutant, ça risque de faire beaucoup. Et une fois que vous aurez pris
Une fois que vous serez habitué, que vous aurez l'habitude de faire l'emsemen, vous pourrez augmenter la quantité. Parce que c'est tellement délicieux qu'on a envie d'en faire beaucoup. Mais pour la première fois, moi je vous conseille de diviser les quantités par deux. Au lieu de faire pour 1 kg de farine, faites pour 500 g de farine. Après, ce que vous pouvez éventuellement faire également, vous pouvez les farcir. Vous voyez ? Au moment de plier, vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre des légumes que vous auriez revenus, genre des carottes râpées avec des courgettes, quelques épices. Donc c'est possible de manger des msemen farcis aux légumes, à la viande, plusieurs façons, à la tomate, enfin, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on les a toutes façonnées, on va prendre la première qu'on a façonnée. Donc là, je n'ai pas assez de place sur la table, du coup, on a mis la suite sur un plateau. Et la première qu'on a façonnée, on va l'aplatir comme ceci, avec au bout des doigts. Et on va la faire cuire sur une poêle bien chaude. Pas besoin de la huiler, la poêle, hein, puisque nos semences sont suffisamment huilées. Vous voyez, donc là, on aplatit. Et là, bon, nous, on a pris une plancha pour aller vite, vu qu'on avait une quarantaine de semences à cuire. On trouve que la plancha, c'est pratique, puisqu'on peut aller vite, on peut en cuire même 6 en même temps. Si vous n'avez pas de plancha, vous pouvez prendre une ou même deux poêles à la fois. Pour la cuisson, ça va plus vite si vous avez deux poêles. Donc là, on pose notre crêpe et tout de suite, on la retourne. Et donc en fait, pendant le temps de cuisson, on passe notre temps à retourner les crêpes. Voilà, on les laisse quelques secondes, on tourne et on les retourne encore. Jusqu'à cuisson complète de la crêpe. Et pendant qu'elle cuise, on va aplatir nos galettes et on vient les déposer sur la poêle ou la plancha. Et on les retourne, voilà. On n'hésite pas de retourner jusqu'à ce que ce soit cuit correctement. Alors, autre astuce, il est tout à fait possible de congeler les msemen. C'est ce que nous faisons. Nous les congelons par 4 dans un sachet. Comme ça, lorsqu'on veut en sortir, on peut sortir juste un petit paquet de 4 et le reste, on le laisse au congélateur. Et quand vous les sortez, vous les mettez à cuire de nouveau à la poêle quelques minutes en les retournant. Et c'est comme si vous veniez juste de les faire. Elles sont vraiment délicieuses. Alors après, je ne sais pas comment vous préférez les consommer. Mais vous pouvez les consommer avec du miel, c'est un vrai délice, j'adore. Vous pouvez les consommer avec de la confiture, de la pâte à tartiner ou du hamelou. D'ailleurs, vous trouverez sur la chaîne la recette du hamelou et la recette de deux pâtes à tartiner différentes. Ça, c'est la version sucrée. Après, vous pouvez les consommer aussi d'une autre façon, de manière salée. Et vous pouvez mettre du fromage à tartiner. Vous pouvez mettre un œuf, une tranche de fromage, une tranche de jambon de dinde. Pour la version salée, c'est excellent. Donc voilà, on continue notre cuisson. Bon, pour éviter de se brûler, on peut utiliser une pelle pour les retourner. Vous voyez là, la cuisson, elle est parfaite. Voilà. Donc ça va vite, hein. Lorsque vous passez à la phase cuisson, ça va vraiment vite la cuisson. Le plus long, c'est vraiment le façonnage, on va dire. Mais ça en vaut vraiment la peine. C'est délicieux. Pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour le sol, donc le petit repas qu'on fait le matin, avant le début du jeûne, c'est excellent. En version sucrée ou salée, comme vous voulez. Voilà, donc là, il y en a 4. On en a que 4 à la fois, c'est pratique. Et voilà, vous voyez comme c'est bien cuit. Voilà. Et donc, on met de côté. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. En version sucrée ou en version salée?
voyez ce qu'on obtient. Voilà, vous voyez la cuisson. Là, il y en a même 6 en même temps. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez toute la totalité des msemen. Donc là, il y a une quarantaine, comme je vous le disais. Hein. N'hésitez vraiment pas à tester la recette. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Si vous préférez les msemen salés ou les msemen, la version sucrée. Voilà, donc là on va arriver au bout de cette recette. J'espère que cette recette vous plaira. J'espère que le concept vous plaira. On a fait une version en darija pour les personnes qui préfèrent suivre la recette en darija. Et on a fait une version en français que je suis en train de traduire pour les personnes qui préfèrent suivre la recette en français. J'espère que ce concept vous plaira. D'ailleurs, vous trouverez sur la chaîne d'autres recettes qui avaient été faites l'année dernière pour le Ramadan de l'année dernière, où vous trouverez également des recettes en darija et également traduites en français. Voilà. Et écoutez, je vous remercie d'avance d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avance de liker si la recette vous a plu, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines recettes. Je souhaite à toutes les personnes qui font le Ramadan un très bon mois de Ramadan. Ramadan Mubarak Saïd. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette spéciale Ramadan. Bye bye.